Bonsoir tout le monde, ou bonjour, ou bonne nuit, je ne sais pas où vous êtes. Écoutez, ça me fait plaisir de vous retrouver. Yossi est là, Patricia est avec nous, Cosmina Bellou est là, Sundar est là aussi, Liliana est là, Victoria Posse est là, Victoria Jacques aussi, Chaton est là, Bickert est avec nous, Émilie. Alors Émilie nous dit bonjour, nous sommes à la maison pour une semaine à l'école parce qu'il y a une coupure de courant. On a l'impression, Émilie, que tous les malheurs arrivent actuellement. Et aujourd'hui, vous savez, là, depuis hier, les cafés et les bars sont fermés. Donc c'est fini, c'est la fin du monde. Iris est avec nous, Widad est là aussi, Xuam est là, Luciana est là, I Just Called aussi, The Kingdoms est là, et puis Fatima qui nous dit bonjour. On espère que vous allez bien, Fatima aussi. Écoutez, nous allons commencer, on va voir combien de personnes seront courageuses. Donc aujourd'hui, c'est niveau avancé. Bonjour Samuel. Donc je ne parle que français. Nous sommes d'accord. Et la question du jour, eh bien, ce que je préfère faire le soir, c'est... Dites-moi ce que vous aimez faire le soir en général. Alors, Gaspard est avec nous. Bonjour Gaspard. Une petite phrase pour me répondre, s'il vous plaît. Alors, Fatima nous dit que ce qu'elle préfère faire le soir, eh bien, c'est lire un livre. Ensuite, Cosmina Bellou nous dit aussi, en Roumanie, hier, les cafés et les restaurants ont été fermés. Alors, en France, ce qui est bizarre, c'est que c'est les cafés et les bars, mais pas les restaurants. Alors là, c'est pas toujours très logique. Fatima qui nous dit « Ce que je préfère faire le soir, c'est lire un livre. » D'accord, donc vous avez écrit la phrase complète, merci. Astro qui nous dit « Lire un livre aussi. » D'accord. Luciana qui nous dit « Étudier le français. » D'accord. Patricia qui nous dit « Je préfère aller au sauna. » Très bien. Yossi, je vais faire une promenade autour de la maison. On peut le faire jusqu'à 1 km. Gaspard, allez me promener au parc avec mes petites filles. Très bien. Gaspard, faites attention. Parc, on écrit avec un C. D'accord ? P-A-R-C. The Kingdoms qui nous dit « Quand je rentre chez moi, j'ai envie de rien faire sauf manger et dormir. » Mais c'est bien, ça au moins c'est facile et c'est clair. Émilie, ce que je préfère faire le soir, c'est me relaxer et passer du temps avec ma sœur. Très bien. Sundar, ce que je préfère faire le soir, c'est apprendre la langue avec toi. Oh, bah c'est gentil. Gaspard, allez, pas de problème Gaspard. On peut faire des erreurs, ne vous inquiétez pas. Bickert, je préfère faire le soir, donc seulement ma tablette sur la main et j'étudie beaucoup d'exercices en français pendant la nuit. Oui, Dad, j'aime me reposer et regarder un bon film en famille. Iris, ce que je préfère faire le soir, c'est faire une promenade après le dîner. Très bien. Mouskane qui nous dit apprendre le français avec Vincent. Merci, Mouskane. I just called. Ce que je préfère le soir, c'est lire, on va mettre à l'infinitif, L-I-R-E, un roman avec cette musique. Vous avez vu, j'ai changé un petit peu de musique pour avoir des choses plus calmes. Rythme, ce que je préfère faire le soir, c'est écouter de la musique et boire du café. Moujahid, jouer aux jeux vidéo. Victoria Jacques, ce que je préfère faire le soir, c'est dîner, me détendre et me coucher. Victoria Posse, je préfère le soir étudier et prendre, infinitif, un bon café. Ice Cubes, bonsoir, ce que je préfère faire le soir, c'est parler avec mes amis dans toutes les langues que je connais. Eh ben, écoutez, c'est formidable, merci beaucoup. Alors, un peu de douceur dans notre vie. La douceur du jour, eh bien, c'est quelque chose que beaucoup de personnes aiment, puisque c'est une brioche. Alors, comme d'habitude, nous allons découvrir cette belle chose ensemble avec trois phrases. Regardez, ça, ce sera, eh bien, la première chose. Et comme d'habitude, je vais lire et vous écrivez les mots qui manquent. Première chose, la brioche est une pâtisserie à pâte levée et assez aérée. Elle est à base de farine, levure, beurre, lait et œufs. La brioche est une pâtisserie à pâte levée et assez aérée. Elle est à base de farine, levure, beurre, lait et œufs. Alors, je sens une petite hésitation, là. J'ai l'impression que c'est un petit peu moins rapide. Regardons. Nous étions ici à la recherche de trois choses. Alors, la première chose, c'était pâte. Donc ça, c'est le nom, c'est le substantif. Souvenez-vous, on écrit, alors, P-A, accent circonflexe, T-E. L'accent circonflexe indique qu'en ancien français, il y avait un S. On disait paste, un peu comme les pastas, la paste. Mais après, on a mis un accent circonflexe, pâte. Ensuite, c'est un adjectif. L'adjectif, c'est aéré. L'adjectif aéré, c'est connecté à air. L'air, quand il y a de l'air dans quelque chose, ou alors si vous ouvrez la fenêtre pour avoir de l'air dans la maison ou dans votre appartement, le verbe c'est aérer, donner de l'air. Et donc l'adjectif ici c'est aérer, et puisqu'il est connecté au mot pâte, et pâte c'est féminin, vous allez écrire aérer au féminin. N'oubliez pas les accents aigus si vous avez sur votre clavier. La dernière chose, c'était un substantif, un nom, et c'est levure. Et donc ça, c'est féminin, juste pour votre information. La levure, c'est ce que vous mettez quand vous allez faire de la pâtisserie pour que la pâtisserie lève, hein, la pâte va lever. Ça va prendre un petit peu plus de volume. Nous continuons avec eh bien, la deuxième chose concernant la brioche. La brioche actuelle serait née en Normandie au XVIe siècle. La pâte à brioche remonte au Moyen Âge. La brioche actuelle serait née en Normandie au XVIe siècle. La pâte à brioche remonte au Moyen Âge. Alors, je vois que vous commencez donc à répondre. Donc ici, comme d'habitude, trois éléments. La première chose, eh bien, c'est l'auxiliaire « être », donc qui ici doit être au conditionnel présent. « Serait », S-E-R-A-I-T. Deuxième chose, c'est un substantif, un nom, c'est un siècle. Pour votre information, c'est masculin. Siècle, on écrit S-I-E, accent grave, si vous avez C-L-E. D'accord? Et puis, la dernière chose, eh bien, c'est moyen. Alors, moyen, M-O-Y-E-N. Et puis, faites attention, quand on va le lier avec âge, on va faire cette petite modification de prononciation, on va dire moyenne, Moyen-Âge. Hein, c'est pour ça que vous avez peut-être entendu moyenne, mais en fait on écrit moyen. Moyen-Âge va être prononcé Moyen-Âge. D'accord? Allez, troisième chose concernant la brioche. On aurait fabriqué, au Moyen Âge, des pâtisseries ressemblant aux brioches actuelles. On aurait fabriqué, au Moyen Âge, des pâtisseries ressemblant aux brioches actuelles. Alors ici, trois éléments. Donc la première chose, c'est un participe passé. C'est le participe passé du verbe fabriquer. Donc verbe régulier, hein, verbe du premier groupe. Donc le participe passé, c'est E accent aigu. Ensuite, on a cette forme qui est très intéressante, c'est ressembler. Mais ici, on a la forme du participe présent finalement, un petit peu comme qui ressemble. Et alors le participe présent, quand on le construit, souvenez-vous, c'est A-N-T. D'accord? Ressemblant. Hein, c'est pour ça qu'on le prononce vraiment ressemblant, A-N-T. Et puis la dernière chose, eh bien c'est un adjectif. Alors l'adjectif, c'est actuel. Et effectivement, actuel, alors vous savez que si c'est masculin, si c'est féminin, si c'est pluriel, on va prononcer de la même façon. Donc ça, c'est toujours un petit peu difficile. Donc ici, clairement, vous voyez que c'est lié à brioche. Et donc brioche est féminin, donc votre adjectif sera féminin pluriel. Et donc vous écrivez actuel A-C-T-U-E-L-L-E-S. Voilà. Allez, je vous propose, comme d'habitude, si vous voulez bien, de lire avec moi ces trois choses. Première chose, la brioche est une pâtisserie à pâte levée et assez aérée. Elle est à base de farine, levure, beurre, lait et œufs. Deuxième chose, la brioche actuelle serait née en Normandie au XVIe siècle. La pâte à brioche remonte au Moyen Âge. Troisième chose, on aurait fabriqué au Moyen Âge des pâtisseries ressemblant aux brioches actuelles. Eh bien, voilà avec les brioches. Alors, le verbe du jour, vous le savez, c'est l'occasion pour nous de conjuguer un verbe. C'est finir. Finir, c'est le verbe du jour, donc c'est un verbe du deuxième groupe. Et comme d'habitude, on va uniquement s'intéresser à la première personne, juste pour bien comprendre eh bien, la mécanique et comment ça fonctionne, en fait, les temps. Nous allons couvrir, comme d'habitude, les trois modes indicatif, conditionnel et subjonctif. Si vous voulez avoir un niveau B2, ce sont en général tous les temps que vous devriez connaître. Et nous commençons, bien sûr, avec le présent de l'indicatif, s'il vous plaît. Première personne, je pour finir, on y va. Alors, Ice Cube demande pourquoi juste la première personne. Bah, c'est juste pour comprendre comment ça fonctionne dans un premier temps. Et puis, dans un deuxième temps, c'est que c'est souvent la personne que vous allez utiliser le plus. En général, on parle souvent à la première personne. Mais bien sûr que l'idée, ça n'est pas de se concentrer. Si, Ice Cubes, si on faisait cet exercice avec toutes les personnes, ça ferait 1 heure en total et ce serait un petit peu fatigant peut-être. Alors, regardons ici. Donc, premier groupe, présent, souvenez-vous, hein, je finis IS, tu finis IS, il finit IT. D'accord? Nous finissons, vous finissez, ils, elles finissent. ISS-ENT, mais on ne les prononce pas, donc le ENT comme d'habitude. S'il vous plaît, futur simple, et toujours la première personne, s'il vous plaît. Alors effectivement, les verbes du deuxième groupe, finalement, sont relativement simples à conjuguer donc au futur simple et aussi, bien sûr, on va voir plus tard, au conditionnel présent. Puisque là, vous prenez simplement l'infinitif, finir, et vous allez tout simplement ajouter vos terminaisons. La terminaison pour « je », eh bien c'est « ai », hein, souvenez-vous, pas de S, le S sera pour le conditionnel présent. Donc je finirai, tu finiras, il, elle finira, nous finirons, vous finirez, il, elle finiront. D'accord ? Allez, on continue s'il vous plaît avec le passé composé, toujours la même personne. Alors ici, le passé composé, c'est le premier temps composé de notre liste. Ce qui est important d'identifier, de savoir, c'est quel auxiliaire nous allons utiliser. Nous allons utiliser avoir comme pour la majorité des verbes. Donc avoir au présent, j'ai, et puis votre participe passé. Le participe passé pour les verbes du deuxième groupe, il est très simple puisque finir IR se transforme en fini I. Souvenez-vous que comme on conjugue avec avoir, on ne va pas accorder le participe passé avec le sujet. Donc j'ai fini, si c'est un homme ou si c'est une femme, c'est toujours I. D'accord? On ne marque pas le féminin. Et si vous dites « nous avons fini », pas de S, I tout le temps. Allez, nous continuons avec l'imparfait. Alors, l'imparfait, je regarde vos formes, je remarque que Cosmina Bellou est ce qu'on appelle une staccanoviste. Elle met toujours toutes les formes et c'est très bien. Alors, effectivement ici, donc je finissais. D'accord, hein, donc l'idée ici pour la construction, en tout cas votre radical, c'est finisse. D'accord, et après vous mettez AIS. Tiens, il y a un autre Vincent Lefrançois. Ce n'est pas moi. Bonjour Vincent Lefrançois. Ça fait bizarre. Alors regardons maintenant l'indicatif et c'est le plus que parfait. Donc c'est un temps composé. Nous sommes d'accord. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, plus que parfait, donc temps composé, ça veut dire que nous utilisons toujours avoir, ça c'est clair. Avoir, nous allons le mettre à l'imparfait. J'avais, et puis nous allons utiliser notre participe passé fini. Encore une fois, masculin ou féminin, ce sera la même forme pour fini. J'avais fini. D'accord? J'avais fini, tu avais fini, il avait fini, nous avions fini, vous aviez fini, ils, elles avaient fini. Allez, continuons avec un autre temps composé, hein, c'est le futur antérieur. Alors le futur antérieur, donc temps composé, ça veut dire qu'avoir, eh bien nous allons le mettre au futur simple. Alors faites attention, un futur simple c'est vraiment AI comme terminaison, donc j'aurais AI. Et puis après vous allez mettre eh bien le participe passé. Et le participe passé, eh bien c'est fini, F-I-N. J'aurais fini, la même chose, masculin ou féminin, ce sera exactement la même forme pour le participe passé. Allez, et puis celui que tout le monde déteste, c'est pour ça que je mets une musique douce, le passé simple. Eh oui, alors le passé simple, regardez, c'est quand même mystérieux. C'est le mystère du passé simple des verbes du deuxième groupe. Alors vous voyez que Yossi, très généreusement, nous a mis toutes les formes. Et donc je finis IS, tu finis IS, il finit IT. Donc là, ça veut dire finalement que ce sont les mêmes formes que le présent de l'indicatif. Après ça, vous voyez que c'est complètement différent. Nous finîmes, vous finîtes, ils finirent. Vraiment ces formes-là, c'est-à-dire que le pluriel nous et vous, on ne les utilise jamais. Donc vous pouvez les connaître, mais encore une fois, on ne vous demandera pas de les utiliser. Donc ça fait... c'est comme ça. Oh, un grand merci à Patricia qui m'offre un repas. Je vais pouvoir manger ce soir. Merci. Alors, nous continuons avec, regardez, le conditionnel présent. Alors, quand on parle du conditionnel présent, eh bien finalement, c'est le même mode de construction que le futur. C'est-à-dire qu'ici, on prend l'infinitif « finir ». Et puis, on va mettre les terminaisons. Les terminaisons sont différentes des terminaisons du futur simple. Donc, AIS, je finirai. AIS, tu finirais. AIT, il elle finirait. Ensuite, IONS, nous finirions. IEZ, vous finiriez. AIENT, il, elle finirait. Faites attention pour le pluriel, AIENT, mais on prononce est. Donc finalement, la forme je, tu, il, elle singulier et il, elle pluriel sont les mêmes formes phonétiquement parlant. Ice Cube qui dit « Donc, sans contexte, c'est impossible de savoir si je finis est le présent ou le passé simple. » Oui, sans contexte, c'est impossible. C'est-à-dire que si vous... Mais bon, la question à Ice Cube, c'est « À partir de quand vous considérez qu'il y a un contexte ?» Mais effectivement, si vous ne savez pas et si vous avez juste « je finis », qui est écrit sur un post-it, je n'ai aucune indication et je ne sais pas si c'est le présent ou le passé simple. Continuons avec un temps composé et le temps composé, c'est eh bien le conditionnel passé. Alors là, effectivement, conditionnel passé, donc c'est un temps composé. Nous savons maintenant que pour finir, nous utilisons avoir. Donc avoir doit être au conditionnel présent. J'aurai, AIS, ça c'est clair. Et puis nous mettons notre participe passé fini. J'aurai fini. Et voilà, nous avons notre conditionnel passé. Allez, les deux derniers temps, subjonctif, présent, s'il vous plaît, toujours la même personne. Alors effectivement, Cosmina Bellou est un petit peu notre spécialiste de la conjugaison et c'est très bien. Finalement, ça nous aide beaucoup que vous marquiez toutes les formes, c'est gentil. Donc ici, pour la première personne, eh bien c'est que je finisse. Donc finisse, F-I-N-I-S-S-E. Très bien, alors petit problème d'écran. Mais normalement, ça devrait aller. Alors, continuons et finissons avec, si vous voulez bien, le subjonctif passé. Allez-y, s'il vous plaît, la première personne. Ce qui est troublant, c'est que je suis tellement habitué à avoir de la musique pendant ces exercices que quand il y a un problème et qu'il n'y a pas de musique, je me sens perdu. Alors, continuons. Donc ici, c'était le dernier temps composé que nous avons. Donc, avoir, que nous allons mettre au subjonctif présent, que j'ai, A, I, E. Hein, souvenez-vous, le E, on doit le mettre, parce qu'il fait partie de la forme, même si on ne le prononce pas. Et puis, notre participe passé fini. Bah, écoutez, là, je pense qu'il n'y avait pas de problème, ça s'est vraiment bien passé. Donc, félicitations et puis merci encore. Alors, la photo du jour, j'ai vu cette photo et j'ai trouvé que c'était complètement incroyable. Prenez une petite minute, comme d'habitude, s'il vous plaît, pour me faire une petite description de ce que vous voyez. Alors, Collie House, qui est la première à nous dire paradis. Alors, paradis, Collie House, c'est masculin. Donc, le paradis. Alors, vous pouvez écrire, c'est le paradis. Alors, attendez. Ensuite, Sundar nous dit, on voit un petit lac au milieu de différentes fleurs. Alors, en fait, Sundar, c'est des arbres. C'est ça qui est incroyable, c'est que ce sont des arbres, et c'est complètement incroyable, je trouve, cette photo. Alors, Mérage, s'il vous plaît, monsieur, tu peux dire mon français langue, si je peux le français, moi, vocabulaire n'est pas. Alors, Mérage, il y a des cours pour débutants. Demain, c'est débutant, donc vous devriez venir demain au cours de débutants, Mérage. Iris, il y a un lac avec beaucoup de jolies fleurs. Yesero, je vois un lac entouré d'arbres, des apostrophes, qui sont pleins de couleurs. Chaton, un beau lac entouré par l'été indien, ressemble à la nature. Chaton, l'été indien, je pense directement à Joe Dassin. Hein, je ne sais pas si il y a des personnes qui connaissent cette chanson incroyable de Joe Dassin, mais je crois que c'est une reprise d'une chanson italienne à l'origine, mais je ne connais que la version française de Joe Dassin. Gaspard qui nous dit « Je vois une forêt avec un petit lac ». Très bien écrit, Gaspard. Mouscane, il y a des belles fleurs sur la photo et avec un petit étang au milieu. Et la vue est très incroyable. Oui, moi je suis d'accord avec vous. C'est vraiment, vraiment très joli. Upasana, bonjour. C'est une image d'un lac qui est entouré de fleurs. Oui, en fait, ce sont des arbres, Upasana. Ice Cubes, c'est une belle image d'un lac entouré de fleurs avec 1000 couleurs. Tout le monde veut que ce soit des fleurs. Bah, si vous voulez, négocions, négocions. Yossi, c'est un lac très beau. On voit le ciel qui se reflète dans le lac. Autour du lac, il y a plein de fleurs. Ouais, faites attention, il y a aussi plein de, d'accord, pas de S, avec différentes couleurs. Oui, Dad qui nous dit un lac entouré de jolies fleurs et de couleurs différentes. L'eau du lac est pure et bleue. Luciana qui nous dit il y a un lac bleu. Oui, faites attention, Luciana, bleu, pas de E à la fin, ok? B-L-E-U, tout simplement parce que c'est masculin, lac, ok? Tranquille, avec beaucoup d'arbres. Annie, il y a un lac avec beaucoup de fleurs. Diogo, cette photo est un beau lac très bleu. Il y a aussi des arbres de toutes les couleurs, LES couleurs. Je pense que cette photo représente l'automne. Eh ben oui. Sapna, il me semble très amoureux. Je peux voir des fleurs autour du lac. Comment ça, amoureux? C'est un lac. Victoria, je ne sais pas si c'est un lac ou un fleuve, mais c'est très joli avec beaucoup de couleurs. Moujahid qui nous dit l'automne. Moujahid, il n'aime pas faire des phrases. Non, 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 non. Ritem, c'est un petit étang au milieu de la forêt. Je voudrais faire de la pêche. Ah ben oui, pourquoi pas. Cosmina Bellou, c'est le jardin de la Vierge. Avec une majuscule pour Vierge. Très bien. Monisha, il y a de belles fleurs autour de l'étang. D'accord. Bickert, votre phrase est perdue. Je n'ai pas vu votre phrase, Bickert. Non? Ah ben non, il n'y a pas de... Elle doit être là, normalement. Moujahid, ce sont des fleurs ou des arbres? Mais ce sont des arbres. Ce sont des arbres, Moujahid. C'est pour ça que c'est très incroyable au niveau des couleurs. Vous avez des espèces d'arbres complètement différentes. I just called. Dans cette photo, il y a un petit lac entouré avec beaucoup de fleurs ou d'arbres. Yossi, beaucoup de Chaudassins ont été chantés par Toto Cutugno. Ah ben l'été indien, c'est incroyable, une chanson incroyable quand même. Ouria, il y a des fleurs de toutes les couleurs et un lac. Je ne sais pas comment la terre est, d'accord. Très bien, bon bah écoutez, je vois qu'après on discute des chansons de Joe Dassin. Merci beaucoup en tout cas pour ce que vous avez écrit. Et je trouve que la photo peut-être représente un petit peu cette saison, en tout cas en Europe. Alors, c'est comme ça qu'on parle. Si vous ne le savez pas, eh bien, c'est le moment de découvrir le français familier ou très familier. Mais comme je dis, toujours faites attention, n'utilisez pas ces expressions avec tout le monde. Hein, soyez sûr de la situation et des personnes avec qui vous parlez. Si vous utilisez ces expressions, certaines personnes pourraient être un peu choquées. Donc, on commence avec la première chose. Et la première chose, eh bien, c'est une baltringue. Une baltringue, donc c'est du français familier, très familier. Donc ça, vraiment, il faut faire très attention. Qu'est-ce que c'est qu'une baltringue? Une baltringue, c'est une personne incompétente, peureuse ou méprisable. Donc une personne qui ne peut pas faire quelque chose, qui a peur de faire quelque chose, ou qui, que vous considérez comme totalement terrible. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une baltringue, un homme ou une femme. Regardez l'exemple. Regarde-le, il a trop peur pour dire ce qu'il pense à son patron. C'est vraiment une baltringue. Donc imaginons la situation. Hein. Il a envie de dire à son patron quelque chose qui probablement ne va pas plaire à son patron, mais finalement il a trop peur. Il ne dit rien et vous allez considérer que, eh bien, c'est une baltringue. Donc regarde-le, il a trop peur pour dire ce qu'il pense à son patron, c'est vraiment une baltringue. Allez, c'est à vous, écrivez-moi une phrase avec baltringue, s'il vous plaît. Alors justement, c'est Collie House qui, en premier, nous dit « J'ai peur de mon professeur de français, je suis une baltringue !» Mais pourquoi est-ce que votre professeur de français est aussi terrible que ça? Alors ça y est, ça commence à arriver, Cosmina Bellou qui nous dit « Toute ma vie, j'ai été l'ennemi déclaré ». On peut, l'expression c'est, en français en tout cas, c'est l'ennemi juré. Hein, l'ennemi juré des baltringues. Sundar, quand j'ai vu un tigre dans la forêt, j'étais une baltringue, oui. Ouria, quelquefois, quand j'expérience ou quand je vis des moments difficiles, je me sens comme une baltringue. Eh ben oui, Ouria, tout le monde dans les moments difficiles. Hein, c'est pas évident d'être courageux toujours. Alors je ne sais pas, est-ce que les autres sont en train d'écrire leurs phrases ou est-ce que nous devons passer au mot suivant? On attend une petite seconde quand même. Alors Daria nous rejoint au bon moment parce qu'elle aime bien en général cette activité. Mais alors apparemment les autres n'ont pas envie d'écrire de phrases sur baltringue ou avec baltringue et c'est dommage. Alors deuxième expression que nous allons voir et c'est barge. Alors qu'est-ce que ça veut dire barge? Eh bien ça veut dire fou ou dérangé. Oups, normalement vous avez, attendez, je vais faire ça, c'est encore PowerPoint qui très gentiment a fait, voilà la petite correction, donc dérangé avec deux accents bien sûr, donc fou ou dérangé c'est barge, voilà. L'exemple, si tu me prends la tête, je peux devenir barge et après ça va partir en sucette. Si tu me prends la tête, alors souvenez-vous, on a déjà vu ça. si tu m'énerves, si tu m'agaces. Hein, alors attendez. Ah, Ice Cube, vous avez écrit quelque chose. Je dois regarder une petite seconde parce que je n'ai pas envie d'avoir... Non, normalement, il y a tout là. Ouais, c'est bizarre. Normalement, tout doit être affiché. Peut-être qu'il y a un petit problème technique. Alors, donc l'exemple. Si tu m'énerves, hein, si tu me prends la tête... Je peux devenir barge, je peux devenir fou. Et après ça, ça va partir en sucette. Après, ça va devenir assez problématique. Donc si tu me prends la tête, si tu m'énerves, je peux devenir barge, je peux devenir fou. Et après, ça va partir en sucette. Ça va devenir très, très problématique. Partir en sucette, Cyrine, c'est quand vous allez vous énerver, l'autre personne avec qui vous êtes va s'énerver et donc automatiquement vous allez créer une situation très très conflictuelle. Ça c'est l'expression partir en sucette. On avait vu avant, il y avait des synonymes, partir en cacahuète, partir en live. Tout ça, ce sont des synonymes hein, pour dire que la situation devient assez difficile entre les personnes. Allez, s'il vous plaît, soyez courageux, écrivez-moi une phrase et j'espère que les phrases vont s'afficher. Allez-y. Alors, regardons vos premières phrases. Sapna demande pourquoi ma phrase n'est pas postée à l'écran. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je n'ai absolument rien paramétré et je n'ai pas cliqué. Donc, peut-être qu'il y a un petit problème technique, mais bon. Alors, regardons Yossi qui dit « Méfie-toi de lui, c'est un barge ». Daria qui nous dit « Il n'est pas barge, il est hors de ce monde parce qu'il est tellement doué. Ne le ressens-tu pas et ne le vois pas ?» Ah, ressent, faites attention, ressent, R-E-S-S-E-N-S. D'accord, c'est ressentir, mais faites attention pour la conjugaison, je ressens, tu ressens, il ressent. YouTube Browser qui dit c'est trop difficile pour moi, pas de problème, ne vous inquiétez pas, vous pouvez participer à l'exercice suivant. Yossi, ma phrase était aussi de l'exemple 1. Je ne sais pas, il faut contacter YouTube, il faut contacter Google, je ne sais pas. Colis, normalement je suis calme, mais quand je parle en français je deviens barge et insensé. Ben, au moins là c'est clair. Bicut, parfois je deviens barge avec 3 adultes dans ma maison à cause du corona. Ça je comprends. Ça, je comprends. Oui, Dad, mon chien devient barge quand il voit des étrangers. Eh oui, c'est possible. Diogo, oh non, Donald Trump est un gros barge. On fait pas de politique. Pas de politique, je ne veux pas de problème. Pas de politique, pas de religion, s'il vous plaît. Annie, après la réunion dans mon bureau, je deviendrai barge. Faites attention, le verbe devenir, hein, quand on le met au futur, c'est je deviendrai. Hein, il n'est pas régulier. Ice Cube, je suis une personne tranquille. Je ne deviens pas barge, bien que c'est un problème technique aujourd'hui. Ben oui, non, oui, là je ne sais pas ce qui se passe. Restons calmes. Yesero, il est devenu barge. Attention, devenu Yesero, pas de E, hein, et ils l'ont enfermé dans un sanatorium. C'est radical, hein. C'est radical avec Yesero, pas de négociation. Mouscane, quand je comprends pas quelques mots de français, je deviens barge. Yossi, alors, vous avez les mêmes problèmes que... Oui, oui, il y a eu des problèmes techniques, je ne sais pas pourquoi. Parce que là, ça fonctionne, hein, et là, je n'ai rien touché. Fatima, quand mon petit frère me dérange, je deviens barge. C'est normal, Fatima. Cosmina Bellou, je trouve très sage d'examiner l'état de santé mentale pour les personnes qui veulent prendre des fonctions publiques pour éviter les gens avec une conduite barge. Très bien structurée et la petite touche finale avec du français familier, c'est très chic. Victoria Posse, quand mon fils m'ignore, je suis barge. Ah oui, ça c'est vrai que c'est pas sympathique. Quand les enfants vous ignorent, alors ça, c'est pas bien. Chaton, un alcoolique n'est absolument rien pour moi, ça me rend juste barge. D'accord. Ouria, ils sont barges car ils ont faim. Ok. Béatrice, Christiana, si tu mangeais mon gâteau, je serais vraiment barge. Ah oui, ça c'est clair. Bah, y a des choses, il ne faut pas toucher, hein. On ne touche pas au gâteau. Ça, on n'a pas le droit. Troisième chose, alors c'est très proche... Hein, puisque vous voyez qu'ici c'est berge, hein. On avait barge mais maintenant on a berge, alors là c'est un substantif, hein. C'est un nom, une berge. Qu'est-ce que c'est une berge? Eh bien c'est un an ou une année. Et donc je me souviens que j'avais 18 berges quand je me suis installé dans mon studio au-dessus de la place de Clichy. Je me souviens que j'avais 18 ans quand je me suis installé dans mon studio au-dessus de la place de Clichy. Voilà, et en plus, c'est vrai. Je m'en souviens de ce studio, il était très sympathique. Allons-y, écrivez-moi une phrase avec une berge, s'il vous plaît, ou plusieurs, bien sûr. Alors, Bickert, qui est la première à nous dire « Des berges sont passées très vite après 40 ans ». C'est vrai, Bickert. Ah, moi, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec vous. Après 40 ans, ça passe comme ça, comme un train très très rapide. Ensuite, alors, Luciana Morville qui dit « J'ai 54 berges !» Et c'est bien d'avoir mis un S, parce qu'effectivement, hein, donc berge, eh bien, même si c'est du français familier, on doit respecter les règles, et donc on doit mettre au pluriel. Yesero, 2020, c'est une berge. Ah, faites attention, oui. On l'utilise, alors les Yesero, on va plutôt l'utiliser comme an ou année, mais plutôt pour... pas comme ça finalement, c'est-à-dire pour une personne ou quand vous attendez une période, on va pas dire berge dans ce contexte-là, Yesero, je suis désolé. Amira, elle a 18 berges mais elle est très sage. Cosmina Bellou, j'ai tant de berges que je ne me souviens pas où j'étais quand j'avais 18 ans. Ah bah moi je m'en souviens. J'étais au-dessus de la place de Clichy. Yossi, il a 50 berges, c'est l'âge critique. Oh, mais ça fait peur, Yossi. Qu'est-ce que c'est l'âge critique? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Colis, une pomme chaque berge est un pot pour la santé. Alors là, je ne comprends pas, Colis. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, alors YouTube Browser. Je ne comprends pas pourquoi on utilise les berges à la place des années. YouTube Browser, c'est du français familier. Ça veut dire que c'est pour parler d'une façon moins formelle, c'est pour parler en général dans des contextes qui sont beaucoup plus décontractés. Donc ce sont des synonymes, mais ce sont des synonymes qui ont une connotation moins formelle. D'accord ? Diogo, quand je pense sur les effets de la pandémie, je conclus que cette berge est terrible. Oui, même chose, on ne l'utilise pas vraiment dans ce contexte-là. Sapna, j'apprends la langue française depuis plus de 3 berges, mais je ne parle pas encore bien Saint-Morand-Barge. Vous commencez à combiner, c'est bien. Sundar, je me souviens quand j'avais 10 ans, attention, ou 10 berges, ma famille s'est installée dans une autre ville, d'accord? Daria, à l'âge de 17 berges, j'ai fini mon école avec la médaille d'or. C'est un moment capital. J'étais très heureuse et belle à ce moment-là, d'accord? Mais donc, il y a des médailles? Ok. Il y a une médaille? Mais pourquoi une médaille? Bon, une autre discussion. Mouscane, j'aurai 20 berges en novembre. Attention, Mouscane, berge avec un S parce que c'est 20. Ice Cubes, nous allons mélanger les deux mots, barge et berge. Ils font phonétiquement très borge. Ben, je suis désolé. Et il ne faut pas se tromper. Hein. Il ne faut pas se tromper. Victoria Posse, il y a une berge, j'étais à Paris. Oui, c'est... Bengo 555, quand il avait 8 berges, il a perdu son père. Oh, bah là c'est triste, là c'est très triste. Sundar, moi aussi je suis en train d'apprendre le français depuis 3 berges, mais je ne parle pas couramment. Alors, ensuite, Victoria... Alors, ah pardon, Victoria Posse, est-ce que vous pouvez dire si barge est un verbe ou un substantif? Eh bien, on peut l'utiliser pour les deux. C'est-à-dire que vous avez vu que dans l'exemple que j'avais donné, j'ai utilisé barge comme adjectif. Et en général, on va l'utiliser comme adjectif, c'est-à-dire, et souvent même avec être, hein, il est barge. D'accord, mais on peut aussi entendre, c'est un vrai barge. Donc on peut l'utiliser comme substantif aussi. Allez, je vous remercie. C'était très 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 gentil. Et oui, la vie est triste sans fromage. C'est pour ça que nous devons, si c'est possible, et aussi souvent que possible, découvrir un fromage, et de préférence, un fromage français. Je l'ai choisi, celui-là, pas tellement pour le goût, c'est juste parce que j'ai toujours trouvé que le nom de ce fromage est très amusant. Il s'appelle le Chabichou. Le Chabichou est un fromage. J'ai toujours trouvé que c'était un nom qui était vraiment amusant. Donc, nous allons découvrir ce fromage, qui est un fromage très populaire aussi. Hein. Les gens aiment bien le Chabichou. Alors, découvrons ensemble le Chabichou. Le Chabichou est mentionné en 1872, par l'historien Charles de Chergé, dans son guide du voyageur à Poitiers et dans ses environs. Le Chabichou est mentionné en 1872 par l'historien Charles de Chergé, dans son guide du voyageur à Poitiers et dans ses environs. Alors, Ice Cubes qui dit choubichou. Non, 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 non. Attention, Chabichou. Le Chabichou. Alors ici, il y avait 4 choses à trouver. La première chose, c'est un... ici, c'est tout simplement le participe passé de mentionner, hein. Ici, mentionné, vous voyez qu'on écrit avec 2 N et on l'écrit avec un E accent aigu, c'est-à-dire on ne met pas le féminin parce que c'est le Chabichou, c'est masculin. Ensuite, nous parlons d'un substantif puisque c'est l'historien. Un historien, souvenez-vous, une historienne. Alors quand c'est le masculin, parce que ici c'est un homme, Charles, ça va être historien I-E-N. D'accord? Si c'était une femme, ce serait historienne I-E-N-N-E. Alors ensuite, même chose ici, c'était voyageur, donc un substantif, et c'est le masculin, c'est voyageur E-U-R. Souvenez-vous que si c'était féminin, ce serait voyageuse E-U-S-E. Et la dernière chose, c'était environ, et donc environ ici, c'est au pluriel. Quand on dit les environs, c'est tout simplement la région, c'est-à-dire la région qui est autour de Poitiers. Ici, Poitiers, c'est une ville, donc la région de Poitiers, et donc on utilise le pluriel de environ, E-N-V-I-R-O-N. S. Donc le S ici, il est assez important quand même. Allez, on continue avec la deuxième chose concernant le Chabichou. Chabichou. Allez. Le Chabichou du Poitou est un fromage au lait de chèvre à pâte blanche et molle, à croûte naturelle. Le Chabichou du Poitou est un fromage au lait de chèvre, à pâte blanche et molle, à croûte naturelle. Alors, ici encore 3 choses à trouver. La première chose, c'est un substantif et c'est fromage. Fromage, en général, vous l'écrivez bien. F-R-O-M-A-G-E, c'est parfait. La deuxième chose, c'est l'animal. C'est une chèvre. Mais donc ici, on utilise juste chèvre, c'est bien de mettre l'accent grave si c'est possible. Donc, accent grave sur le premier E, chèvre. Hein. Si vous n'avez pas l'accent, c'est pas grave. Et puis, la dernière chose, c'est un adjectif. Alors, vous voyez que l'adjectif, c'est molle. Alors, l'adjectif molle, ici, c'est le féminin, parce que cet adjectif est lié au mot pâte. Hein? Et pâte, eh bien, c'est un mot féminin. Une pâte. Vous voyez le premier adjectif, blanche, et là c'est le féminin, et molle, féminin aussi. D'accord? Donc M-O-L-L-E. Allez, on regarde la troisième chose sur le chabichou. Et je suis tellement heureux de pouvoir prononcer le mot chabichou aussi fréquemment en une journée. Le terme chabichou équivaut à l'occitan cabecou. Les deux mots ont pour racine commune le latin capra qui signifie chèvre, chèvre. Le terme chabichou équivaut à l'occitan cabecou. Les deux mots ont pour racine commune le latin capra qui signifie chèvre. Alors, ne me détestez pas, je fais juste mon travail. Je savais que le premier serait un petit peu difficile. Mais c'est toujours bien de trouver des choses un petit peu plus difficiles. Alors ici, c'est la forme équivaut. Qu'est-ce que c'est? Équivaut, eh bien, ici, c'est le verbe équivaloir. Équivaloir, vous connaissez en général une autre forme qui est équivalent, hein, qui est l'adjectif, équivalent, équivalente, mais le verbe c'est équivaloir. Et donc on peut le conjuguer, et ici on le conjugue à la troisième personne du singulier équivaut, V-A-U-T. La deuxième chose que nous cherchions, eh bien, c'était un substantif. Et c'est une racine. Une racine, alors ici sans l'article, bien sûr. Racine, on l'écrit R-A-C-I-N-E. Donc ici, pas de pluriel, hein, finalement. Puisque si c'était pluriel, vous verriez un pluriel sur commune. Ici, pas de pluriel sur l'adjectif commune. Donc, ça veut dire que racine n'est pas au pluriel. Et la dernière chose, c'était un verbe. Le verbe, eh bien, c'est un verbe régulier du premier groupe, signifier. Alors, ils sont bizarres toujours les verbes qui sont en IER, parce que quand vous conjuguez, je signifie, tu signifies, il signifie. On entend juste le I, mais il faut écrire quand même je signifie E, tu signifies ES, il signifie E. Donc ici on l'écrivait S-I-G-N-I-F-I-E. Vous avez des verbes comme étudier, c'est un petit peu le même style. Hein. J'étudie, tu étudies, il étudie. Voilà. Cosmina Bellou qui nous dit qu'en roumain, la chèvre c'est capra. Bah oui, c'est... Ah bah, en roumain quand même, bien sûr. Et on a tellement de choses en commun au niveau des langues que c'est un petit peu normal. Ça n'est pas une surprise. Alors, première chose, on va faire la lecture ensemble des trois éléments, si vous voulez bien. Lisez avec moi. Le Chabichou est mentionné en 1872 par l'historien Charles de Chergé dans son guide du voyageur à Poitiers et dans ses environs. Deuxième chose, le Chabichou du Poitou est un fromage au lait de chèvre, à pâte blanche et molle, à croûte naturelle. Troisième chose, le terme chabichou équivaut à l'occitan cabecou. Les deux mots ont pour racine commune le latin capra, qui signifie chèvre. Alors, la citation du jour. Collie House qui nous dit « Le chabichou est très malodorant ». Ben, c'est comme tous les fromages en France, Collie House. C'est pas normal, c'est pas spécial. Alors, la citation du jour, on attaque. Et comme vous le savez peut-être, j'aime beaucoup Héraclite d'Éphèse qui nous dit « Les yeux sont des témoins plus fidèles que les oreilles. Les yeux sont des témoins plus fidèles que les oreilles. » S'il vous plaît, comme d'habitude, dites-moi si vous avez quelque chose à me dire. Que pensez-vous de cette citation d'Héraclite d'Éphèse? Alors, c'est Collie House qui nous dit, et j'adore ce que vous avez écrit. Ce n'est pas vrai si on est aveugle. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Et là, vous avez marqué un point, je dois dire. Chaime qui nous dit, je crois que que quand je vois les choses avec mes yeux. Ah, je ne crois, donc à utiliser la restriction, je ne crois que les choses que je vois avec mes yeux. Très bien, Luciana qui nous dit, c'est vrai, mais je pense que ça dépend de la personne. Diogo qui nous dit, quand on regarde quelque chose, c'est regarder pour la personne. Quand on écoute quelque chose, ça peut dire pour une autre personne. Donc les yeux sont des témoins plus fidèles que les oreilles. Très bien. Ouria, c'est vrai, mais ça dépend de la situation. Alors Candy, Lucky to Dogs, surtout dans la société d'aujourd'hui. D'accord. Oui, Dad, qui nous dit, oui, je suis d'accord, on croit quand on voit les choses plus que quand on les écoute ou les entend. Yossi qui nous dit, ce que nous voyons avec les yeux est plus fiable que ce que nous entendons. Ouais, utilisez fiable, F-I-A-B-L-E, ça vient du verbe se fier, hein, faire confiance à quelque chose, se fier à quelque chose ou à quelqu'un. Bickert, oui c'est vrai, les yeux disent la vérité, toujours à mon avis. Amira qui nous dit, je suis d'accord avec ça, il ne faut pas juger quelqu'un par la parole des autres, d'accord. Mouskan, je pense que les deux organes sont des témoins importants dans la vie, très bien. Ritem, on ne croit pas ce qu'on entend peut-être par les autres, seulement ce qu'on voit. Ice Cubes, oui, à cause de ça, on voit les yeux pour comprendre si la personne dit la vérité ou non. Très bien. Monisha, voir, c'est croire. Oh, alors là, ça je l'aide bien, ça, hein. Très bien, Monisha. Indrani, c'est-à-dire que voir quelque chose est plus authentique que l'écouter. Ben oui, c'est un petit peu l'idée, Indrani, de cette citation d'Héraclite d'Éphèse. Sapna, j'entends beaucoup de fois que les yeux peuvent expliquer toutes les choses quand vous êtes en amour. Ah, quand vous êtes amoureux. Ah, donc il y a une dimension romantique qui n'existait peut-être pas dans la déclaration, dans la citation originale. Yesero, moi je ne suis pas d'accord avec cette citation parce que tu dois vérifier ce que tu vois et ce que tu entends. D'accord? Victoria, je pense la même chose, les yeux sont plus fidèles que les oreilles. Cosmina Bellou, c'est vrai, d'après ce que j'ai lu dans le domaine des agences de renseignement, l'information enregistrée vidéo est plus précieuse que l'information qui enregistre l'audio. Très bien. Ah ben là, on a des preuves qui sont indiscutables. Cosmina Bellou, c'est-à-dire beaucoup de fiabilité, oui, on avait compris. YouTube Browser, regardez les actions d'une personne et pas les mots, d'accord? Et Annie qui nous dit, j'ai entendu que les yeux parlent beaucoup en comparant aux oreilles. Les yeux disent beaucoup de choses, peut-être, ce que vous voulez dire. Et puis MNM19, je suis d'accord. Les personnes aiment les ragots, donc il est mieux de voir la vérité par nous-mêmes. Et bien sûr, un cours ne serait pas un cours si nous ne parlions pas du plat du jour. Le plat du jour, et regardez, c'est un grand classique, puisque c'est le jambon beurre. Nous avons vu ensemble des plats qui étaient des plats assez traditionnels, des choses qui sont un petit peu plus élaborées. Mais là, finalement, nous découvrons quelque chose qui est à la base de la culture française, le sandwich, le jambon beurre. Découvrons le jambon beurre, comme d'habitude, en trois éléments. Alors la première chose, eh bien, la voici. Un jambon beurre, ou parfois parisien, est un sandwich traditionnel en France. Un jambon beurre, ou parfois parisien, est un sandwich traditionnel en France. Alors, trois éléments à trouver. La première chose, eh bien, c'était parfois. Et ça, en général, vous l'écrivez bien. Je regarde vos formes. Pour l'instant, tout est parfait. La deuxième chose, c'est parisien. Donc ici, on l'écrit aussi très très bien. Bah, félicitations, P-A-R-I-S-I-E-N. Alors effectivement, là on pourrait l'écrire si on voulait avec une capitale. Mais bon, là c'est un petit peu discutable aussi, parce que ce n'est pas une personne finalement. Bon, donc, mais ça c'est une grande discussion que nous n'allons pas avoir. Et puis la dernière chose, c'était un adjectif. Et l'adjectif, eh bien c'est traditionnel. Alors ici, l'adjectif, vous le mettez bah, finalement au masculin, puisque sandwich c'est masculin, donc N-N-E-L à la fin, hein, et puis on ne met pas le féminin ici. Voilà, continuons avec le deuxième élément pour parler de ce monument de la restauration rapide française. Il est composé d'une demi-baguette de pain fendue dans laquelle on a tartiné du beurre et placé des tranches de jambon de porc cuit. Il est composé d'une demi-baguette de pain fendu dans laquelle on a tartiné du beurre et placé des tranches de jambon cru. Alors ici, trois choses que nous cherchions. Je suis en train de regarder ce que vous avez écrit. Pour l'instant, ça a l'air bien. Donc, laquelle ici, effectivement, vous allez l'utiliser au féminin. Donc, L-A-Q-U-E-L-L-E. D'accord. Ensuite, l'autre chose, c'était tartiner. Alors, le verbe, c'est tartiner. Et ici, on est à la recherche du participe passé. Et donc le participe passé de tartiner, puisque c'est un verbe régulier, eh bien c'est tout simplement E accent aigu. Tartiner, et ici on va pas mettre effectivement le féminin ou le pluriel, puisque c'est même pas nécessaire. Et la dernière chose, c'était porc. Alors souvenez-vous que porc, on ne prononce pas le C final, d'accord? Mais on doit quand même l'écrire. Donc vous écrivez P-O-R-C, d'accord? Donc porc, P-O-R-C, le C final n'est pas prononcé. Allez, la dernière chose, et vous allez voir que c'est la raison pour laquelle le parisien ou le jambon beurre est malheureusement dans une situation très délicate actuellement. En 2017, pour la première fois en France, les ventes de hamburgers ont dépassé celles du jambon beurre. En 2017, pour la première fois en France, les ventes de hamburger ont dépassé celle du jambon-beurre. Alors là, vous voyez trois choses. Donc la première chose, c'était une année, donc c'était 2017. Ça, tout le monde l'a trouvé, donc il n'y a pas de problème pour ça. Alors vente, substantif, il est clairement au pluriel ici. Donc vente avec un S, les ventes. Et puis on dépassé. Alors ici, donc c'est le verbe dépasser, d'accord ? On cherche le participe passé parce que c'est au passé composé. Donc dépasser, on va le mettre accent aigu et surtout pas de pluriel, rien d'autre puisque c'est avec avoir. Et là vous voyez qu'effectivement, même si ça pourrait être considéré comme quelque chose qui n'est pas finalement de la gastronomie française, c'est un élément fondamentale de la restauration rapide française. Et en 2017, eh bien les choses ont changé. C'est le début de la fin du jambon-beurre. Allez, lecture avec moi s'il vous plaît de ces trois choses. Première chose, un jambon-beurre, ou parfois parisien, est un sandwich traditionnel en France. Deuxième chose, il est composé d'une demi-baguette de pain fendu dans laquelle on a tartiné du beurre et placé des tranches de jambon de porc cuit. Troisième chose, en 2017, pour la première fois en France, les ventes de hamburgers ont dépassé celles du jambon-beurre. Et c'est la dictée du jour. Alors, bien sûr que là, nous allons changer un petit peu les règles, mesdames et messieurs. Avant, je ne faisais qu'une seule... je faisais deux lectures pour A1, A2, et je faisais trois lectures pour B1, B2. Maintenant... clairement, j'ai identifié ce cours comme un cours avancé. Ça veut dire que les règles changent. Et ça veut dire que pour le niveau A1 et A2, clairement, je ne fais qu'une seule lecture. Donc soyez concentrés, écoutez bien, je ne lis la phrase qu'une seule fois. D'accord? On y va. Nous venons de les rencontrer dans le couloir. Mais écoutez, apparemment, tout a l'air de bien se passer. Donc ici, j'avais en fait envie d'utiliser la structure « venir de ». Vous savez, le passé récent. Donc « venir de », donc on doit conjuguer « venir » en fonction de « nous ». Nous venons de. Après, on a notre verbe qui, bien sûr, doit être à l'infinitif « rencontrer ». Mais j'avais envie aussi de vous mettre un petit pronom complément d'objet direct avant votre infinitif « les ». Nous venons de les rencontrer, rencontrer infinitif, hein, vraiment infinitif, deuxième verbe. Et après, dans le couloir. D'accord? Bah, écoutez, je regarde et apparemment c'est quand même très bien, mais souvenez-vous que rencontrer doit être clairement à l'infinitif, hein, puisque c'est le deuxième verbe. Alors, nous venons de les voir, nous venons de les découvrir, hein, etc., etc. Donc, vraiment à l'infinitif. Alors, attention, on va faire la même chose pour le A2, d'accord ? Faites bien attention, je vais lire juste une seule fois, mais je vais lire clairement. Elle n'en a pas voulu. Alors là, je regarde, oui, et c'est pas facile. Hein. Je sais que ce n'est pas facile. Regardez. Ici, bien sûr, j'avais envie de mettre le verbe vouloir au passé composé. Elle a voulu. Ensuite, je vous mets une petite négation. Elle n'a pas voulu. Mais j'avais envie d'introduire un pronom, vous savez, le pronom « en ». Et donc le pronom « en », vous vous souvenez qu'on doit le mettre avant l'auxiliaire « avoir ». Et donc le « e » de la négation « ne » disparaît et vous avez l'apostrophe. Elle n'en, ne. Elle n'en. Et après, je dois faire le lien avec « a ». « N'en a ». Elle n'en a pas voulu. Elle n'en a pas voulu. Faites attention parce que ça, la difficulté fondamentale, c'est les nasales. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous, vous avez entendu « non ». Mais en fait, c'était « non ». Et c'est vraiment la seule différence, ça va être la nasale, c'est pas on, mais c'est en. Et comme c'est en, et bien finalement ça veut dire que c'est le pronom en avec la négation ne et le e qui disparaît. Elle n'en a pas voulu. Alors attention, j'ai cliqué trop fort, non. Ok, B1, B2, c'est clair, je peux les dire deux fois parce que je suis une personne très sympathique. Allez, on attaque. Donc B1, je vais lire deux fois. Si tu veux vraiment, virgule, je peux le faire pour eux. si tu veux vraiment, virgule, je peux le faire pour eux. Allez-y, écrivez la phrase, s'il vous plaît. Alors, regardons ici. Alors là, niveau B1, vous savez que niveau B1, ça dépend un petit peu, mais là, l'idée, c'était de travailler sur la structure avec si plus le présent de l'indicatif. D'accord? Donc, si tu veux, donc là, logiquement, vous l'écrivez, c'est le verbe vouloir, vous l'écrivez au présent. V-E-U-X. Et puis après, finalement, on va tout simplement utiliser un autre présent. Je peux, donc bien sûr, c'est le verbe pouvoir. J'avais envie de vous donner un verbe un peu irrégulier pour que ce soit un petit peu plus difficile. P-E-U-X. Faire doit être automatiquement à l'infinitif. F-A-I-R. E. D'accord? Et puis après, c'était pour eux. Bon, bah là, c'est le classique, c'est les pronoms toniques. Allez, on attaque avec le B2. Donc, comme on a dit, hein, le B2, je vais vous le lire deux fois. Je vais essayer de le lire assez clairement. Il faut que tu prennes le temps de le faire pour réussir. Il faut que tu prennes le temps de le faire pour réussir. Alors, nous sommes d'accord que là, c'est niveau B2, donc traditionnellement pour le B2, vous savez que j'aime bien soit vous donner du subjonctif ou alors du passé simple. Bah ici, c'est effectivement du subjonctif avec la structure « il faut que ». Donc « il faut que » appelle automatiquement un subjonctif. Le verbe qui est après, c'est le verbe prendre. Souvenez-vous que le verbe prendre, quand on va le conjuguer au subjonctif, c'est que je prenne e. Que tu prennes es. Donc on est d'accord qu'on n'entend pas le s, mais si vous voulez écrire correctement, vous devez écrire avec le S à la fin, P-R-E-N-N-E-S. Après, c'est bon, ça continue, prenne le temps, préposition de le faire, avec notre pronom complément d'objet direct, le, pour réussir, bien sûr, réussir, il est automatiquement à l'infinitif parce que vous avez quand même avant ça le verbe faire qui est à l'infinitif. il faut que tu prennes le temps de le faire pour le réussir. Et voilà, c'est la fin de la torture avec la dictée. Merci beaucoup. Alors, la peinture du jour, et j'ai été obligé de réfléchir quelques minutes pour savoir si je pouvais la mettre ou pas, parce que c'est vraiment une peinture qui est une peinture majeure dans l'art français, et c'est une peinture d'Eugène Delacroix qui est « La liberté guidant le peuple ». C'est une peinture de 1830. Mais, comme vous le savez, c'est toujours un petit peu délicat, puisque, regardez, cette peinture traditionnelle, eh bien, montre un peu de nudité. Et quand il y a un peu de nudité, c'est toujours délicat. Je ne sais pas si je dois le mettre ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment une peinture qui est, à mon avis, incroyable, mais je pense que ça fait partie de ma culture, et si vous la voyez, ça symbolise vraiment la France. Alors bien sûr, il y a un petit peu de nudité, si des gens sont choqués, je m'en excuse. S'il vous plaît, votre exercice, c'est une phrase pour me décrire cette peinture d'Eugène Delacroix. Et c'est Daria qui en premier nous dit « Il y a une femme ». Et on a vu, Daria, que cette femme s'appelle Marianne, souvenez-vous, qui est en et rien ne l'arrête. Eh ben oui, eh ben oui. Et c'est Marianne, souvenez-vous, Daria, cette femme dont on a parlé il y a quelques semaines. Diogo nous dit « Je pense que cette peinture représente la République française ». Ben oui, 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 Diogo, vous avez bien compris. Yossi, on voit les peuples en guerre, la jeune femme, peut-être Jeanne d'Arc. Non, c'est Marianne, Yossi, souvenez-vous, on a vu Marianne, tient le drapeau français. Mouskan, peut-être que cette image montre quelque chose de la Révolution française. Je ne sais pas exactement, mais j'ai vu une image comme celle-ci dans mon livre d'histoire. Très bien, Mouskan. Béatrice Christiana, la peinture montre comment les Français ont obtenu la liberté. Très bien. Luciana, j'étais sûr que le tableau décrivait la Révolution française, mais non. Si, c'est la Révolution, mais c'est globalement la quête de liberté et de fraternité et d'égalité. Oui, Dad, la liberté se prend et elle n'est pas donnée. Ça, c'est bien écrit, oui, Dad. Faites attention, pas de S à prendre. YouTube, la liberté montre le chemin pour les soldats. Très bien, YouTube Brother. Victoria Posse, la femme porte le drapeau français de la victoire, les hommes portent les armes. Ça, c'est vrai. Et c'est ça qui est formidable, Victoria. Quand on a... je ne suis pas une femme, donc je ne l'ai pas vu comme ça. Vous le voyez comme ça. Et ça, c'est formidable d'échanger. Merci. Ritem, c'est le portrait à l'époque de la Révolution française. Il signifie l'égalité, la liberté et la fraternité. La femme a eu le drapeau français. Ben oui, oui, oui. Indrani, la victoire des Français contre l'Anglais. Ah mais non, Indrani, là c'est la victoire des Français contre les Français, c'est la Révolution française. Sapna, je peux voir le drapeau de France après avoir réussi une grande victoire. Je ne sais pas avec qui. Elsa, des personnes qui fêtent la victoire contre leurs ennemis. Je vois la reine brave qui tient le drapeau. Yesero, la liberté symbole par une femme qui mène le peuple vers la victoire. Oui, Ice Cube, c'est une image de la guerre nationale. Bien sûr, la femme entre les gens est comme la statue de la liberté. C'est vrai Ice Cube. Vous savez, il y a quelque chose d'assez intéressant. Enfin bon, c'est une longue discussion. C'est une longue discussion, mais c'est vrai. Cosmina Bellou, la nudité est naturelle, la peinture est belle, mais comment on peut récupérer tout ce qui a été détruit pendant les années de la Révolution? Et ça, c'est une bonne question. Mais ça dépend si la Révolution est arrivée il y a quelques années ou il y a quelques siècles, peut-être. Moujahid qui nous dit « La liberté prend beaucoup de sacrifices », c'est vrai. Ouria, je vois des hommes avec des armes et des femmes, en particulier une femme qui tient un drapeau, qui se dispute pour la liberté au peuple de la France, pour la liberté. Merci beaucoup à vous tous et vous toutes. Alors, pour certaines personnes, c'est l'heure d'aller se coucher, pour d'autres, c'est l'heure d'aller déjeuner, pour d'autres, c'est l'heure d'aller prendre une douche, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'était très agréable de passer ces quelques heures, presque deux. N'oubliez pas, s'il vous plaît, puisque vous savez que si vous cliquez sur j'aime, ça donne la possibilité à la vidéo d'être un petit peu plus regardée. Soyons conscients de ça. Cliquez sur j'aime, puisque j'espère que vous m'aimez. En tout cas, je vous dis au revoir, bonne journée, bonne soirée, et puis à bientôt.